mwen weke wapè soufri. Yo imilye ou yo maltrete ou, men sa pa dwe fè ou jom lage. Fò kou rive bien ou bien loin nan vi. Sa se devwa ou sa se destine ou, pa jom gen lide pou ta abandone. Sa se devwa ou sa se destine ou, men pa kite moun met fiatè ou an bapye. Sa se devwa ou sa se destine ou, let sa si ou gade ou a ouè bien, ke chime an pa louvri. Ou a va kompran fò batay pou viv pou. Ti se mwen si ou pa vle kwe, gade nan kè ou a ouè. Si ou vle limye se batay pou soti nan fè. Mon perpétuel secours, montre un chemin pour me faire nous. Non, fais noir. Bah ouais devant, bah ouais derrière. Bah contre qui bon pour m'aller. Oh bon Dieu, ou même qui gagne tout pouvoir, qui d'aime tant prie. Est-ce que c'est empêcher me faire ma paix? Pour qui ça c'est moi-même toute bagaille ça arriver. Oh maman perpétuel secours. Si c'est moi-même qui cherchais ça crevé à ta cousine ta titi, on met femme continuer payer. Mais si c'est pas méchanceté que ça arrivé, qui fait ta titi rêver souffler t'aime. Mettez-moi dehors la caille. Mandez-o pour femme jeune justice moi. C'est dans justice pour la seulement quoi. Seigneur même moi. Mes petites tout. Mes petites filles là qui sans maman, sans papa, qui abandonné. M'vin nan pye ou, m'pa kapab anko ak humiliation sa yo. M'soufri trop. T'en pri, papa. T'en de priye m. Je suis une bonne news, mais j'ai l'impression que Paul a été important. Donc, malgré tout ça qui finit par passer là, ou jouer un moyen, ou ne parler à Paul toujours, ça faut régler. C'est pour que j'aime le problème. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'aime l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. C'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'aime bien l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Tout simplement. J'ai bien regretté le pantalon, on s'en perdu. Tout ça. Talon. Moi, j'ai passé tout le temps qui toujours à le courir avec mes deux faire abdomino, qu'on a pas jambes ou marron calé comme tout ça. C'est tout normal. Ok, ou comme vous avez déjà là, ou pas le maigrir l'autre semaine. Ou quoi, on a le fait depuis ça? Allez, là! Gilbert, pourquoi? Mami, papi. Et alors? Monsieur Kajuste était bien sérieux à temps loin. Il n'a pas besoin de rien encore. Non, on a un problème. Ça a bien étonné, moi, que le pokore l'aime déjà. Sortant des habitudes depuis matin, monsieur campé sous boîte quitter.
question là-bas ou pas occupé. Ceci, je me connais très bien ça l'a fait. Il refusait de comprendre que Robertson n'est qui d'amour qui pas de sortir perdant. Au lieu lié pour les bon gérer situation c'est pression là-bas même pas la dedans. Alors pour problème ou connaît bien déjà ou pensez c'est caprice jeune garçon qui a géré, non? Mais Céline, ou pas qu'à mander vous l'accepter. Robert pas un monde pour qui t'a tombé dans zin avec Jimmy pour lui. Qui ça? Jimmy? C'est si. Ouais, malgré mon conseil Jimmy, m'pas oublier les parties mon petit n'a fait que pendant 6 ans sans pas chambre nouvelle maintenant. Donc petit grimace ou la faire là, ou pas même ébranler. Et connaissant Jimmy, il pas pour honte. Gétant en bas avant ton fil là pendant nous des petits problèmes ça. Donc c'est qui s'en vient, non? Donc, malgré tout ça me fait, tout sacrifice me fait, vous qu'on se reprend. Je reviens, Céline. Je reviens. Pas de l'alcool quand même. Il faut que tu aies un peu de lucidité pour me parler. Tiens, quel chic. Tu as mis du temps pour arriver. En effet, et j'ai laissé le bureau un peu plus tard aujourd'hui. Il y a le mari de Madame Molui, monsieur bien-aimé. Tu connais? Oui. Il était avec elle et je ne sais pas pourquoi. Jimmy, ça va? Ça va, merci. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas en tout cas. Quoi, tu dis ça? Tu trouves que ça ne va pas, toi? Bon, de toute façon. Qu'est-ce que tu prends? Quelque chose de piqué. Tu prends de l'alcool? Oui. Tu ne pourras pas rentrer chez toi? Aucun problème. Je suis une habituée du restaurant. Dans le cas contraire, je pourrais laisser ma voiture ici et rentrer avec toi, bien sûr, si ça ne pose pas de problème. Non, pas du tout. Garçon! C'est pas ça, Jerry. Écoute, je suis enrhumée. Oui. Donc, où est la grippe la fatiguée? Peut-être que ça va me dire bonsoir? Non, tu ne me dis pas. Oula. Bonsoir, Oula. Ça va et toi? Ça va. Ah bon, pourquoi? Ah, ben, t'es ici, tu vas m'aider tout dans ma chambre. Ok. Ma chérie, petite. Bien simple. Ça vient de tuer, non? Il a bon moment. Oui, il est bon. Maintenant. Je crois qu'on doit rentrer. Pourquoi? Tu es si pressé de rentrer chez toi? Moi, non. Je peux rester toute la nuit. Par contre, toi, c'est tout le contraire. Il y a Réginal à qui tu dois donner des explications. Et ensuite, à la personne spéciale. Quand tu vois le personne spéciale, tu fais allusion à qui? Ton fiancé. Je ne suis ni fiancé ni marié. Célibataire endurci. Zéro pour mon cher. Bon, non. Je m'excuse alors. C'est fait. Concernant Regina, il n'est pas au pays. Il ne sera là qu'après-demain et je suis libre comme l'air. Patricia, j'ai besoin, je veux, je dois aller au Côte des Vacanes avec Samuel. Et fuck with him. Et dans quel sens? Comment il est dans quel sens? Aide-moi pour me jeter une parole pour me bailler pour me déplacer, chérie. Leïla, on connaît moins ma machine logique, mais mentir à vous. Oui, partout. Écoute, on va tout mon petit. Faut prendre gérer responsabilité. Oh, pas dis-moi là. Pourquoi ils sont pas en nickel quand t'as Hélène ou dis nous voir coup de désaccordé avec Samuel? Qui est Hélène qui me parle là? Elle ne sait même pas si j'ai une relation avec Samuel. Oh, Leïla, mettez-le au courant. Laisse ça, Samuel a un créatif pour moi. Tu m'aides, oui ou non? Non, sans ça, non. Pas qu'à Edouard. Tu vas m'aider? Non. Bye bye. Bye, Leïla. On s'appelle? Ça fait rêve, ma chère. Ça suffit, tu dois arrêter de boire, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est pas recommandé tout simplement. J'ai envie de me saouler. D'accord, je te reconduis chez toi.
chez toi. Ok. C'est un petit moment, je vais payer l'addition. Ok, j'arrive. J'ai besoin, je veux, je dois aller au cours des arcanes avec Samuel. Et fuck with him. Et dans quel sens? Comment est-ce dans quel sens? Et dis-moi pour que je ne parle pour me bailler pour me déplacer, chérie. Leïla, on connaît moins ma généalogie que ma mentir à vous. Je t'en prie, partout. Écoute, on va te faire une pitié. Faut prendre gérer responsabilité. Je peux dire là. Pourquoi ils ne sont pas en Nicole Kouta Télène ou dis-nous pour le coup des arcanes avec Samuel? Qui est-ce qui ne parle là? Elle ne sait même pas si j'ai une relation avec Samuel. Oh. Leïla, mettez-le au courant. Laisse ça, Samuel, la petite crédit pour moi. Tu m'aides, oui ou non? Non, c'est ça, non. Pas qu'à tu vas m'aider? Non. Bye bye. Bye, Leïla. On s'appelle? Ça fait rêve, ma chère. Ça suffit. Tu dois arrêter de boire, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est pas recommandé, tout simplement. J'ai envie de me saouler. D'accord. Je te reconduis chez toi. Chez toi. Ok. C'est un petit moment. Je vais payer l'addition. Ouais. Ok. J'arrive. Je suis. Oh. T'es fille. On ne peut pas rester. Et pourquoi? Je viens de me rappeler quelque chose que je dois faire en urgence. Mais on a quand même le temps de boire quelque chose, Tess. Pas tant. Ah. Tu vois, Timia là. Je te l'avais dit. Il est avec une femme. Je parle. S'il te plaît, Céline, ne fais pas d'esclaves. D'accord, on part. Rassure-toi, je n'avais nullement l'intention de parler à Jimmy d'après tout ce qu'il m'a dit ce matin. Ok? Ah. Et voilà qui arrive justement. Salut madame. C'est comme ça que tu me salues maintenant, Jimmy? C'est si tu me dis, je vais vous parler. D'accord. Rejoins-moi au dehors. Je suis désolée, mais je ne vais pas sortir avec toi. Je suis accompagnée. N'était-ce pas de Jenny par hasard? La secrétaire de Céline? Et qu'est-ce qui te fait dire cela? Ai-je raison, oui ou non? Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Ton ami est parti. Quoi? C'est pas cousine Réginald, Zamio. Stacy, tout ça c'est un malentendu que je dois tirer au clair. J'ai entendu, mais surtout ne dis rien à celle. Tu comprends? Tu veux ménager Jenny? C'est ça? On verra. Je suis déjà blessé, je ne crains pas le clair. J'ai fait couler mon sang et mourir de beau rêve. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. J'en ai l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. J'en ai l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Mais mon âme pourtant n'a point mis par les armes. Je lutte encore.
très belle maison que tu as là. Merci. Dis-moi. Il est 9h30. Il est encore tout. Tu vas aller t'en réfléchir, toi. C'est pas vrai, dame. Où sont-ils pour quoi? Au vol. Et pour boire, vous venez dans le point ça. Dis-moi pourquoi tu pleures. J'ai perdu l'homme de ma vie. Je ne peux plus. Chérie, mon père est fâché contre toi. Mais il reviendra. Maman, pardonne-moi si je te dis que l'homme de ma vie n'est pas Robert. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Excuse-moi si je t'ai fait du mal, mais l'homme de ma vie, c'est Jimmy. C'est lui que j'aime, maman. Jimmy. Je t'aime. Fais-moi de tes bras, s'il te plaît. Ça va aller, ça va aller. Ok? Ouais, faut pas qu'on boit, on fasse c'est bon. Ça va aller pour faire, non? Bah, ce non. Oui, mais c'est ça, on me dit, on l'a fait du tout. Ça, c'est pas le mot. Faut-il. Je peux utiliser ta toilette, s'il te plaît? Parle-moi, chérie. Je suis là pour t'écouter. Robert est un homme violent. Violent? Violent en quel sens, Céline? Ne me dis pas que Robert a l'habitude oui, mamie, de... Oui, il m'a emmené fois frappé, giflé, mais je n'ai pas osé te le dire. Ma pauvre chérie, je n'ai pas réalisé que tu souffrais autant. Non, mamie, tout est de ma faute. Tu n'es coupable de rien, ma chérie. Viens, ta maman sera toujours là. Monsieur, nous avons bien ça, m'acheter bien ça spécialement sous nos Gilbert.
Ou bien nous avons l'autre bord de nous pas parler. Et on suppose que vous avez dit ça. Ça va être basé formé. Tout le monde est sous tout le monde basé formé. 1, 2, 3, basé formé. Vous pirez. Je ne connais pas le nom du crime que j'ai commis pour mériter la haine, le mépris, la froideur de mes frères que j'aime tant. S'ils voulaient me le dire. Tu m'as pas fait l'envoyer au soir alors que j'étais pratiquement disponible, disposée. Pas tout à fait. Tu n'avais pas toute ta lucidité. Et je ne voulais pas passer pour un profiteur ou un violeur. Mais maintenant, faire un mon fille pour vivre ça la fête là. Donc, faut que t'aies le clair. Je comprends. Et maintenant? Maintenant, tu dois te préparer, sûr. Et être gentiment chez toi. D'accord. Profiter de petits problèmes qu'on a avec Céline pour que tu aies sorti avec une autre fille, non? Non. Pas dit non, il n'y a pas de pourquoi. Céline a raison qui fait me arrêter dans le restaurant. Ou qu'on ça très bien. Yes, wow. Jimmy, ou ap dit Céline qu'on remet, ou ap bal problème avec Robert, mais ou même, ou pas que tu dois sortir avec une autre fille. Ak secrétaire li en plus. Céline, par contre, ça le veut, Stézy. Je ne vais pas faire vivre. Nous avons un monde dans la vie qui est disponible, un monde qui peut compter sur lui. D'accord, avant. Mais comme moi dis, ce n'est pas une raison tout pour que tu aies sorti avec une autre fille. Après tout ce qu'on est passé déjà, tu as gardé pour vagabond, oui. Permette-moi de dire ça, Jimmy. Ici, ah? Attention madame, je vais les filles. Pour votre information, je suis Jenny Durand. Vous pensez ça passé? Si vous ne voulez pas me caler là et faire mon bout, puis vous fermez la bouche, petit père. C'est si, vous ne pouvez rien pour dire Jenny là. Encore moins sur ma gueule. Mon amour, comment vas-tu? Bien, papa. Ben, je suis là. Comment va ta maman? Bien. Et qu'est-ce qu'elle a mon Ira? Rien, pourquoi? La veille pour hier, elle n'est pas venue. Aujourd'hui encore, elle est absente. Je sais pas. Chérie, on va le dire en bagage. Comment est-ce que tu peux me fâcher? Ah, Cassandra, soudain, quand on est m'a fâché, c'est pas la peine de dire. C'est pas rien, c'est juste. M'attends, Cassandra. Grégoire? Oui? Viens un moment, s'il te plaît. Tu as besoin de moi? Oui. Tu n'as pas vu le chemin de Non, je ne l'ai pas.
Et toi, tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Oui, mais pas maintenant. Peut-être vers midi. Justement, on doit avoir une réunion ce vendredi. J'ai reçu l'état de compte de mon ouest là. C'est catastrophique. Les employés que tu as, tu les connais tous? Oui, je n'ai qu'un nouveau employé, Amboise. Lui aussi, c'était par recommandation. Le problème? Jimmy, il est là, Ramadane. Jimmy, par contre, pas la fête. Vous gardez la carrière à pied. Vous ne pensez pas foutre de l'eau là. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Ça pour dire. Vous avez fait la morale, vous avez mis l'autre dans l'hôpital. Vous avez décidé de vous faire un peu de pipe et de passer. C'est bon! Ceci, calme-moi et quittez ça, ok? Ça va passer là, Ceci? Qui vient de faire là? Tu veux dire que Jimmy et Amboise? Ils sont complices. Ils ont copié le logo de mon USA. On doit en urgence mener une enquête sur ces deux-là. Mais, entre-temps, tu prends le maximum de précautions. Surtout avec tes dossiers. Mais attention, tu ne changes pas. Ok? Ok. Tu attends les résultats de l'enquête. Je ne sais pas si c'est non? Mais franchement, je me trompe de haut. Merde. Mais, Christian. Femme font quitter le pays, le document est clair dans la raison. Merde. Dis-moi, ton séminaire, c'est pour quand? La même deux jours. Tu passes combien de jours? Deux ou trois jours. C'était si ta compagne. Je pars avec Cassandra, ma secrétaire. Ne peut pas voyager seul, ce docteur, moi, lui. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc, c'est d'accord? Apparemment, je n'ai pas le choix, c'est ton travail. C'est pour quand ce voyage? Dans 22 jours. Ok, mais attention à toi. T'inquiète pas, mon amour. Je perds. Oh, c'est papa. Pendant que nous y sommes, Greg, Stécie m'a raconté quelque chose. Ah? Je suppose que ce n'est pas vrai. Ça, c'est folle. Pas grand rien pour avec Cassandra. Je te crois. Mais tu dois faire attention. Tu dois protéger Stécie. Elle t'aime. C'est ça. Ok. Okay. Je dois m'occuper de ça. Ok, bonne journée. D'accord, toi aussi. Tu n'es pas content, non? On va nous mettre ici. Sois bien, voilà. Je ne suis pas content, non, man. Je vais regarder et voir pour maintenant vous, man. Quand tu es venu aujourd'hui, je suis obligé de réfléchir, man. Ça me réfléchit non mais ces derniers temps c'est me réfléchir en pile chaque après-midi à l'ambassade boit à faire chita son chou bois pas pour grand rien pour nous solution c'est à l'école apprendre un bagage apprendre un métier c'est du moment que tu parles en question de l'université c'est une bonne idée regardez bien un semaine et dans mon papi déjeuner tout bas comme ça. Maman, pas maman qui a pris aucune décision. D'ailleurs, toujours prêt pour faire un plaisir, sans le barbe je connais, sans affaire, si le bon rame. Mais je lui ai dit, maman, je ne sais pas si je suis là. Mais il paraît très sévère. Ah, la proposition est sévère pour nous, pour ceux qui ne sont pas critiqués, pour ceux qui ne sont pas passés pour pas bon, ce n'est pas gagné encore, non, mais c'est ça qui fait bon de moi. Je dis ça. Et que ça salte avec votre fille. Mais c'est maman.
situation difficile en pile. Marco, te rappelles-tu que le soir du problème de Gilbert, tu disais devoir t'entretenir sérieusement avec moi? En effet, Hélène. Bon, on n'en a pas eu l'occasion ce soir-là, certes. Mais cela n'a pas été fait par la suite. Par la suite, comme tu dis. On n'a jamais eu l'occasion. Comme je m'appelle, par exemple. Alors, vas-y maintenant. J'ai encore un peu de temps. Hélène, j'étais à la maison. À réfléchir. À penser à toi. Et tout à coup, je me suis dit, mais tiens, tiens, qu'a fait Hélène de sa décision de répondre positivement à ma proposition de mariage? Il est temps, c'est vrai, mais il faut coûte que je la voie. Et je suis parti pour chez toi. En arrivant là-bas, la nécessité d'être avec toi sur le même toit m'est apparue de plus en plus urgente, Hélène. En trouvant ces jeunes gens assis dans ton salon, à une heure aussi tardive, en train de s'amourager. Tu as bien raison. Eh bien, c'est juste une barre à même. Comment aller? Il y a un fort mode. Hans, est-ce que j'ai donné Fandal Bois avec moi? Ouais, dernièrement. Pourquoi on aime que je négocie de mettre un bail en vraiment? En fait, pas négocier, clac là. Pas de ses droits. Négocier en vraiment. Comme tu as dit ça, Gilbert. Façon de vivre un sentiment, même. Comme si. Bah, on commence à expliquer ça, même. On devine qu'ils vont côté, comme si. Bah, là, moi-même, même. Et ouais, je joue ça à Bode. Ça passe juste à Gilbert. Pas la même Bode. Ça gagne. Pourquoi on est ce premier? T'as la même. Là, je vais parler. Où est l'autre bon? Où est l'autre? Juliane dit que ça ne t'a pas là, je ne veux pas parler avec lui, là, je ne veux pas parler en plus. Dimitri, tu es là, oui? Je ne veux pas encore comme un bateau là. Donc, je vais préparer pour parler avec elle. Finalement, je vais balader ici. Tu as dit que je ne veux pas parler avec lui. De toute façon, pas dire lui aujourd'hui. Pas dire demain, il faut que dire quand même, Moïra. Je ne pas jamais. C'est sûr que depuis pas jamais, je ne finis pas bien. Je vais bien courage de m'expliquer. Wow. Je dois te dire que malgré mon grand amour pour toi et malgré mon grand désir de me réveiller dans tes bras, je ne vois pas comment t'épouser. Quand entre Gilbert, Leïla et toi, les choses sont ce qu'elles sont. Si je comprends bien, Hélène, tu ne m'épouses pas. Marco, je... Quoi? Hélène, dis-moi. C'est à cause des enfants ou bien c'est parce que maintenant je suis un homme malade? Marco, comment peux-tu dire une chose pareille? Bon, ça va. Ça va. Je ferai comme tu voudras. Je vais parler aux enfants et l'on se mariera. Je te l'assure. Je t'aime. Comprends que moi j'aime changer. D'ailleurs, au final tu as oublié, au final tu as bâton. Très difficile. Moi ça m'a dit là, tu es tout bon équipe à même besoin même. Ça peut être question yo même. Ou bédéré de côté et à ce moment-là, je vais me faire mal. Ah, c'est lié. Si tu me dis ce que tu as fait, non. Tranquille là. C'est critique, quoi, ou du moins, c'est critique, quoi, un cochon bon tété. Mais ça va être la seule autre que ça. Ah non, c'est lié. Là, au dépassé, on prend pile risque dans ce que tu as dit. Il faut pile et faut me balayer vers mes sous. Mais faut faire respect. Contrôlez ça, on dit comme je dis pour me faire mal sous. Contrôlez ça, on dit. C'est parce que je suis en pile, il faut brasser là. Tout comme, c'est parce que la police n'a pas fait le travail, il faut me faire ça avec les. Ça veut dire? Ah, Marie-Lo. Oh, ça va bien. Oui, petit, soit vous réglez pas content pour ça. Je suis pas pour l'information de chez chier. Non, mais qui ça, de quoi tu parles? Je nomme qui t'a fait poster pour y aller sur le master. Songez? Il est Dimitri Leblanc, de la faculté ensemble. Non, mais Esther, qu'on y a cette toute bonne levée dans les études, ça? Mais ça, c'est que mon y a aimé. À ma chère, toi, moi? Comment ça, depuis ma bouteille, ça?
Si vous avez un pas de doute là-dedans. Monsieur Dami, vous aimez, faites confiance. Yep. Donc, stratégie. Excuse-moi. La chère Fabiola, comment vas-tu? Mm-hmm. Oui, mais un problème, non? D'accord, Aguilé. Je suis venu. D'accord, bye. Ça va, j'en bats mon dossier là, j'ai. Comment? Donc, Bibine, prends la t-shirt Bauk Chita ou prends le rebelle bébé. Disons plutôt que je voulais agir avec toi. Alors, tu vas m'aider? Oh. Bon, pour depuis ce dossier, mon gérer là. Je sais. Oui, madame. Oui. Bon, vague, Céline. Bye bye. Seigneur, éloignez Robert côté pour pas faire crime ça. Priez toi pour ça, sinon, je pas obligé, même si je parais de voir, même plus Robert, je pas obligé. Je ne pas dire avant parce que. Pas capable quoi. Je savais que tu allais te trouver ici. Je suis venue ici pour... Merci. Oui. Perpétuellement, comme tout le bagaille. Mon paquet de stress dans la vie. Maladie, mon corps, qui a tracassé. Problème, si nous pouvons gérer. Et comme si ça pas suffit, le mot il a sorti pour la vie des petites garçons. À la traque, papa. Moko, mais je ne t'attendais pas ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu vois, j'ai besoin d'une raison pour venir te voir. Non, quelle idée, je n'ai pas dit ça. Allez, viens t'asseoir. Dis-moi, comment vas-tu? Tu parais en pleine forme. Comme tu vois, ça peut aller. Mais ce qui me dérange, c'est le fait que tu tiens mordi plus à ce que j'aille voir ton médecin étranger. Ce n'est pas mon médecin, chérie. C'est un spécialiste. Donc, je voudrais avoir son diagnostic. Tout simplement. Tu vas bien? Non, dis-moi. Comment veux-tu que j'aille bien pendant que l'homme de ma vie m'abandonne? Si Robert n'est pas important pour aujourd'hui, il faut qu'il soit obligé toujours quitter la case de relation. Jimmy, Robert n'a pas besoin de peine sur personne pour créer des amis entre moi et ma voix. Ok? Surtout là nous montrer clairement que la relation ne va pas être soignée. Un moment. Allô? Où est-ce que tu es? C'est bien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Malgré tout ça, je me fais pour essayer de vivre. Je ne comprends pas. Tu vois la différence? Je ne vais jamais essayer de briller ou même une fois. Je ne veux pas te voir souffrir. Je veux te rendre heureuse. Ne t'en fais pas, Jimmy. Tout sera bien. Je ne te souffre pas. Non, c'est bien. Je t'aime. C'est la vérité. Tu veux faire un petit tour? De toute façon, je ne suis pas ici pour parler de maladie. De ma maladie. Ah bon? D'accord. Et de quoi on va parler alors? De toi. De moi. De nous deux. C'est pas un sujet valable ça? Bien sûr. Moko, s'agissant de nous deux, qu'est-ce qu'il y a à dire qui n'est pas encore dit? Si je comprends bien, Hélène, pour toi, entre nous, les carottes sont déjà cuites, c'est ça? Non, ce n'est pas une bonne façon de voir les choses, monsieur Casimir. Ok. Merci. Tout ce grand amour que tu me donnes chaque jour.
merci de tout ce grand bonheur que tu m'es rendu. J'ai une idée formidable. Tu vas? Mais promets-moi que tu ne vas pas te moquer de moi. Oh, jamais, je ne sais. Ok. Promis? Je vais te dire l'idée que tu m'as dit. Pourquoi ne pas laisser Haïti ce soir? Partir loin pour le marier. Mais c'est quoi ça? Je t'ai adressé une demande en mariage et au lieu de sauter en l'air de joie, tu restes comme ça planté comme un imbécile? Alors tu t'attendais à ce que je te dis? Bien mon amour, pourtant, nous allons laisser le pays, notre fille, juste pour satisfaire les caprices de Robert? Non, naturellement. Mais... Tu, comme tu m'avais si bien dit un jour, nous n'avons pas besoin de précipiter les choses. Tu es déçu, tu es vraiment. Merci, je te redis merci pour tout ce que tu fais pour me combler d'amour. Trêve de plaisanterie. Et si tu me disais exactement pourquoi tu es là? Parce que tu sais quoi? J'ai l'impression que tu as quelque chose de spécial à voir avec moi. Je ne peux rien te cacher, là. Tu me connais bien. On se connaît bien, je veux dire. Et c'est normal, non? On s'aime tellement tous les deux. Rassure-toi, je ne suis pas venu te parler, te reparler de mariage. J'attends sagement que madame se décide. Voilà. À bien réfléchir, je pense qu'on devrait reprendre notre week-end chez moi à Jacmel. Notre week-end à Jacmel. Tu crois sincèrement, Marco? Oui. Tu te faisais du souci pour les enfants. Mais à ce que je sache, tout est en ordre maintenant chez toi. Oui? Non? Oui, tout est en ordre. C'est ça. Tout est en ordre. Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Tu sais, j'ai... Tu te rappelles? La première fois qu'on a fait l'amour. C'était ici. Je me rappelle, on était supposé se rencontrer pour discuter de quelque chose. Tu m'avais demandé de venir ici pour discuter de quelque chose vraiment, mais quand je suis arrivée, tu étais là à m'attendre avec ton petit père innocent. Je suis passé. Madame Cajuste. Monsieur Cajuste. Es-tu prête à passer la nuit la plus merveilleuse de ta vie? Tout à fait. Son belle mélodie qui fait me sentir mon paradis. Tant pis, ôtez-moi l'enfredi. Tant pis, fais-moi cadeau. L'invitation me touche, mais pour le moment, je n'ai pas le cœur à ça. Le seul déplacement que je veux, que je peux consentir, c'est accompagner voir les spécialistes. Oh Hélène, tu n'as qu'une chose à la bouche, me parler de médecin, me parler de ma maladie. Ok, pardon mon coup. Franchement, je... Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quelque chose que tu devrais me dire? Des ennuis encore avec les enfants? Où sont-ils? La gentille Moira, le sportif Gira et... Moko, aucun d'eux n'est présent. Ok. Ne
Comment ça va? Je n'ai rien, rassure-toi. Okay. Je te remercie de ton intérêt. Naturel, soit dit en passant. Chérie? Oui? Tu as un SMS. D'accord. Eh bien, tu as vérifié? C'est ça? Oui, mais vous? Céline, mon amour. Hier soir, j'en avais promis d'oublier cet homme et de reprendre nos relations là où elle s'était arrêtée. Tu m'as demandé du temps, mais je te conseille d'agir vite, car ma patience a des limites. Jimmy, arrête s'il te plaît. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Tu veux arrêter? Écoute, c'est pas terminé. Ma toute douce. Si tu continues à m'imposer la présence de ce vagabond, je vais finir par le tuer. J'attends ton appel. Au bien. Où rends-nous compte qu'on va te sauver finalement? Moko, je ne te remercierai jamais assez de m'aimer autant. Et cela, malgré mes défauts. Tes défauts, Hélène, qui n'en a pas, ma chérie? Toi, tu es entière. Tu es sincère. Affectueuse. Beaucoup. Comme je t'aime. Comme je t'aime. Jimmy, Robert est foyer. Ok? Dis plutôt que tu as tout manigancé avec ton homme. Avoue le doc. Manigancé qui ça? Pas même quand nous t'as vu dans un restaurant. Jimmy, comment tu as fait connaître que tu as une larme, tu as une dormir juste pour me manigancer avec Robert? Je suis désolé, mais je ne te crois pas. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais effectivement vu Robert hier soir. Quoi? Oui. Jimmy, Robert a dû me suivre. Pourquoi tu ne peux pas le comprendre? Hein? Céline, nous sommes deux blancs. Nous ne pouvons pas parler en tout cas de Céline. Je pense que il est mieux que nous quitter ça. Moi, je me rends compte que vivre à deux fait plus mal que de vivre pour quoi. Donc, je ne suis pas prêt pour me faire vivre. Je ne parle pas en pile. Je ne suis pas pour faire. Jimmy, vois ça. C'est la dernière fois. Si vous quittez ma lèvre, je ne vais pas tourner. Fais ça, vous plaît. Que va pesar.